Factory Studio. Les évêques continuent à mener auprès des uns des autres pour mener à bon port les concertations politiques en cours. Mais une mission a quand même une fin, une durée. À quand la fin de votre mission? Les évêques souhaitent que ce soit le plus tôt possible et ils programment même que ce week-end qu'on puisse arriver à terme, mais cela dépend plus des politiciens que d'eux. Mais qu'est-ce que... Mais aujourd'hui, on a laissé le temps aux parties prenantes de se donner des passerelles. Il y a des choses difficiles à gérer dans une assemblée plénière. Et demain, à 16h, les parties prenantes se retrouveront ensemble pour donner le rapport aux évêques et on verra comment finaliser les choses. Mais comment est-ce que dans les pourparlers, on mentionne le nom des deux personnes d'une même famille à la direction du comité? Et puis à la primature. À ce que je sache, dans l'accord, il n'y a pas le nom de quelqu'un à la primature. Et ce qui se dit... Vous posez la question à la rue, alors. Peut-être une dernière question. Est-ce qu'il est difficile, il est facile de demander au Premier ministre de démissionner, alors que vous savez qu'il est parmi les signataires de l'accord du 18 décembre? Vous ne voyez pas que c'est une mission qui est déjà au bout de l'échec? Les évêques n'ont pas ça comme mission. Les évêques demandent aux uns et aux autres d'être responsables et de considérer le bien-être, l'intérêt du peuple congolais. Peut-être une question de plus précision. Est-ce que l'accord que vous avez présidé finalement au niveau de la CENCO ne contient-il pas finalement des dispositions qui peuvent le rendre inapplicable? Je prends comme exemple le fait que vous avez permis à ce que les signataires puissent changer leur délégué à la CENI. La CENI est très importante dans ce processus. Or, l'UDPS exige ce poste-là, alors que ce sont les groupes parlementaires qui désignent les délégués de la CENI. Et l'UDPS ne reconnaît pas son propre groupe parlementaire. Comment vous allez-vous en sortir? Ce sont des acteurs politiques responsables. Les évêques n'ont fait que favoriser le côté des uns et des autres. Ils savent à quoi ils se sont engagés. Une certaine opinion pense que votre plan B consisterait à placer les pays sous tutelle de l'ONU. Est-ce que c'est la vraie? Ça reste un secret pour les évêques. Merci. Vous êtes tellement intéressé par le plan B. Factory Studio.